Ah là 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 là. Bah, la magie est quand même pas super dans Dark Souls 3. Hein. La pyro... Ouais, la pyro va sûrement être nerfée à un moment ou à un autre. Parce qu'on peut facilement faire du 900 plus sur les gens, donc... Après, on va faire un peu de... on va un peu envahir les gens, parce que... C'est plus drôle. Bonjour. On fait quoi là? On combat? Qu'est-ce qui se passe? Ah carrément, d'accord. Va te faire mettre. T'es pas vraiment honorable, toi. Franchement, je devrais me soigner. Mais bon, on va pas le faire. On va pas le faire. On va te laisser gagner parce que ça te fera sentir un peu mieux. Mais le coup que tu me balances un missile dans la gueule dès le début, non. Mais bon. On va rester honorable et crever comme un con, c'est pas grave. Par contre, on va passer sur envahir les gens. C'est plus drôle. C'est qu'on pourrait aller par contre. Tiens, grandes archives. Faut PVP au bon endroit avec, y a pas beaucoup d'armes qui vont avec. On va changer, on va repasser à des choses qui font mal. Voilà. Donc voilà, Fight Club et tout ça. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Après, on rencontre des gens comme ça qui attaquent sans prévenir et tout, enfin je sais pas. On y va. Arrête, t'es juste devant moi, non? On fait genre, on l'a pas vu. Après, il y a lui là. Je vous ai vu, les mecs. C'est quoi votre... Oh la vache!
Ça c'est drôle, là on s'amuse là. Merde, mauvais côté. Mauvais côté. Oh la vache. Putain, il a pose. Il a équilibre infini. Tu lags ta race toi, mais putain, mais je peux pas combattre avec ça. D'accord, laisse tomber, laisse tomber. Toi, t'es trop lagant, toi. Quel talent de camouflage incroyable. C'est vrai que c'était marrant, ouais. C'est vrai que c'est intéressant, leur façon de se camoufler. Donc les mecs étaient clairement là juste pour défoncer les envahisseurs, mais c'est pas grave, on s'amuse. Là-bas. C'est pas les mêmes. Putain, mais c'est les mêmes. C'est quoi vous? Pourquoi vous êtes tous cachés dans l'ombre là? T'as une épée noire aussi, toi. Une épée des ténèbres. Je vois rien. Non, putain de tarasse. Je fais chier. Oh. Bon putain, il y a des gens ici. Ah oui, un truc que je vais tester après, c'est Je vais tester une sorte de tank. On va voir si ça marche. Salut Vince, à plus. Merci d'être venu. Parce que j'ai vu des vidéos assez intéressantes sur YouTube. Par là-bas. Non, on va par là-bas. Ok, t'es dehors donc. Fait genre, ah, je l'ai pas vu. Mais regarde, tout le monde a l'épée des ténèbres, mais c'est abusé. Reviens, j'ai des bonbons. Où tu vas?
Me force pas à changer d'arme parce que j'ai pas envie de te courser 5 heures. Allez, esquive! Ah! Oh là là! Ok, tu m'as saoulé. T'es caché où? Je la supporte pas cette épée. Ça continue, je vais finir par rager, moi. Encore à l'extérieur. Et encore une épée des ténèbres. Putain, mais c'est super. Ah, je t'avais pas coupé la boisson. Vas-y, viens. Ça sert à rien ces couteaux de merde. Allez.
Non, le backstab de merde. Je suis pas mort. Par contre, je suis dans la merde. Non, ça marche pas, arrête. D'où tu m'as backstab, connard? Oh la vache. Faut un truc plus lourd encore. Si je buvais à chaque fois que j'en vois une, je serais mort depuis longtemps. Ouais, moi aussi. Ah. On va changer de tactique. On va tester des choses. Alors. Testons. Il va me falloir. Ça, je pense. Tueur du dragon. Est-ce que j'ai déjà son arme? Il n'y a pas de magie avec le tueur de dragon, non. Non. Ah, c'est ça qu'il utilisait, lumière solaire bénéfique. C'est ça. Le sort de paladin machin là. Le mec il se buffait avec ça. Tu m'étonnes que le mec il était surpuissant. Le jour où je placerai la chope avec la main. Ouais, c'est vrai que bah, la chope de Pyro, c'est utile si les gens font les tortues, mais après, c'est vrai que c'est super dur à placer. C'est super dur à placer. Il nous faudrait une lance. Mais une lance bien. Ça c'est trop lourd. On va faire un test. Bonsoir, bienvenue. Merde. Lance de sentier. Non, elle y est pas. Elle y est pas, hein. C'est comme ça, hein. On peut pas faire autrement. Alors, on va tester quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être marrant.
Ça peut être... Peut-être marrant. Par contre, c'est le poids. C'est légèrement un problème, le poids. Quoique non, en fait non, c'est peut-être pas un problème. Ok. Pretty, be careful. Pourquoi tu mets le bout en main droite? C'est parce que je veux tester en fait. Je veux tester quelque chose en PvP. On va voir si ça marche ou pas. Je veux pas bloquer avec, je veux déstabiliser les gens en fait. C'est un truc que j'ai vu sur une vidéo sur YouTube, donc je voulais le tester et voir si c'est utile ou pas. Non, c'est bon. Pretty, be careful. Ok. Par contre, c'est le stamina. Putain, la constitution, quoi. C'est atroce. Ok. On va tester. Ah non, par contre, j'ai pas besoin de ça du coup. On va. On va mettre. Ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On teste, on fait. On est là pour tester des choses. On va aller invoquer des gens. Voir si ça marche. Donc, en gros, mon but, c'est que quand la personne va taper, je vais pouvoir bloquer tout en repoussant la personne. Normalement, logiquement. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Ça fait bizarre. S'il faut, on va se faire rétamer direct. Hein. Il y a de grandes chances même. Hein. C'est possible. Hein. Mais bon, tant qu'on teste pas, hein, on peut pas savoir. Merde, putain. Plus, faut que j'attaque avec L2 là cette fois. Le mec il a invoqué ou quoi là? Ah putain. En gros, avec le grand bouclier, un peu, ouais. Des merdes.
Il a combien en défense? Putain, 35 absorption. Hello. Allez, ramène ton cul, viens on teste. Comme ça, si jamais tu dois me défoncer la gueule, tu le fais vite. D'accord, c'est un peu chaud. D'accord, ça va pas bien marcher en fait. Tu peux pas parer un bouclier, pourquoi t'essayes de parer un bouclier? Bon, c'est... Ouais, non, ça va pas le faire. On peut retester une fois, mais ça va pas le faire. On va retenter. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'amorce le coup du bouclier, c'est que ça protège en même temps que ça repousse la personne. Par contre, j'arrive pas à la choper. Quand elle est déséquilibrée. Si j'avais une arme pour la choper, je pense une lance, mais faudrait que je... Le coup, il est trop lent. Genre ça, peut-être, ce serait mieux. La grande lance de Lothric. On va augmenter ça, on va aller voir. On va aller voir. Je suis un camion. Okay. Pretty, be careful. Voilà. Après, ce qui est con dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, si on veut tester une sorte de tank, comme je fais là, c'est horrible, quoi. C'est super dur. GG Miyazaki. Le pire, c'est que ce bouclier, il augmente l'équilibre. J'ai 50 et quelques. 54. C'est triste, quoi. C'est super triste. Allez. Retestons. Bon, on peut y aller là. Putain, il a l'arme qui peut passer à travers les boucliers. C'est marrant de jouer comme ça. Ouais, s'il me tape en premier, c'est mort. Ouais, c'est mort. Putain, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être un...
un truc pas mal. Ça aurait pu y être quelque chose de sympa. Mais bon, il n'y a pas d'équilibre, donc je peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on pourrait tester, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Là, ça s'est mieux passé quand même. Havel, il fait quoi? Il fait... Putain, Havel, hein, la vache. Ah, mais ça marche pas. J'ai envie de retester encore. On va retester encore une fois. Ouais. Je vois bien un DLC où t'as juste l'activation de l'équilibre et c'est tout. C'est vrai, ouais. Je vois pas pourquoi ça y est dans le jeu, elle est faite, mais c'est pas activé quoi. C'est quoi le but du truc là? C'est une farce? C'est une blague? C'est juste pour rendre les gens fous? Parce qu'on a quand même genre l'anneau du loup en plus 1 et plus 2 quoi. Et il sert strictement à rien. Je crois que j'ai pris un magicien. Bon là par contre je suis complètement mort. Si c'est un magicien, je suis complètement mort. Là c'est bon, c'est... Laisse tomber. Waouh, quel esquive pas troll! Un truc en duel! Ouais, c'est mort. En duel, on devrait pas utiliser des fioles pour remettre des MP. Si on peut pas se remettre des HP, moi je dirais qu'on devrait pas se remettre des MP non plus. Donc là, je suis tombé sur le seul magicien du jeu. Voilà, sur 5000 personnes, je dois être tombé sur le seul magicien du jeu. Évidemment. Bon. On va arrêter de s'amuser, c'est pas drôle. C'est triste, mais c'est pas drôle. Ça marche pas. On va refaire. On va refaire des tests d'armes. Celle-là, elle est jolie, mais elle sert à rien, quoi. Rapière plus magicien. Vous voyez, c'est un peu OP, ouais. Ah ben la magie ça reste pourri hein. J'aurais sûrement gagné sans si je faisais pas le con hein. Mais Ah c'est sympa ça. Pas. On a quoi d'autre?
On a la pioche. On va s'amuser avec la pioche. A plus, bonne nuit. Merci d'être venu. On va s'amuser un peu avec la pioche, tiens. On est à combien? Putain. Ça va. Ouais, j'imagine que c'est galère pour choper quelqu'un avec cette arme. Par contre, il va falloir... C'est que en force. On est à combien? 452, ça va. Il est où l'anneau, putain de merde? Voilà. On va tester ça. Elle prend pas beaucoup de constitution, ça va. Ah merde, j'ai enlevé mes trucs, putain. On est à 69,9. Juste ce qu'il faut. Ça marche bien quand même. On va faire ça. Après, peut-être que je vais commencer mon... La sorte de cléric, là, que je voulais faire. On verra.
Non mais je suis pas en braise en plus. Allez, envahis, je t'en supplie, putain. Aussi, je vais me faire un clerc, mais j'attends le DLC. C'est vrai que... Bah le truc en fait, je voulais me faire une sorte de paladin qui utilise peut-être des magies, des miracles offensifs, mais vu qu'ils sont bof, ça va sûrement finir avec en étant une sorte de paladin qui a surtout des buffs. Voilà, ça va surtout être ça. Donc bon. Hey. Il y a un peu des gens. Eh ben putain, ça fait mal, hein. Oh la vache, la lance, la portée de la lance. Laisse tomber. Oh la vache. On est reparti. Il y avait, je crois, deux NPC, deux mecs en plus. Et merde. Hop là. C'est vrai que cette lance est pas mal. La lance du roi sans nom. Oh putain, super. Après, les dégâts sont quand même pas top, hein. Faut qu'elle soit buff quand on fait le... Quand on la buff, tout ça, oui, là, d'accord, les dégâts, ça peut être sympa, mais... question conne, ça sert à quoi d'envahir hormis le PVP? Gagne quoi concrètement? Ben, c'est pour les serments, en fait, surtout. C'est pour tout ça. On récupère divers objets qui sont liés au serment. Et après, on peut monter de rang dans les serments et on récupère des magies uniques ou alors des armes uniques. Donc, il y a pas mal de récompenses à chaque fois. Après, on peut très bien les farmer sur des monstres normaux, mais ça prend énormément de temps, quoi.
La pioche fait quand même super mal, hein. Je pense que je vais la garder de côté, ça. Oh putain, mais trois fois d'affilée, tu te fous de ma gueule ou... Après, oui, il faudrait que je change aussi le serment de solaire, ça influe sur l'invasion. Merde. Merci pour le follow. N'empêche que je me demande comment est-ce qu'ils ont pu croire chez From Software qu'ils allaient... Ah, ouais, c'est vrai que le jeu... Il y a de moins en moins de monde parce que les gens commencent à vite le finir, tout ça. Mais bon, ça reste intéressant. Le PVP est bon. Reste mieux... Enfin, pour moi, en tout cas, il reste mieux que les anciens. Mais... Ouais, je sais pas, faut que les DLC soient très bons et rajoutent des choses uniques. Genre des donjons comme la Bloodborne ou des trucs comme ça. Ah mon dieu! On va changer de zone. On va aller au centre. Au centre-ville, il y a pas mal de monde. Envahir pendant les combats de boss. C'est vrai que ça pourrait être sympa, ouais. Bah, il y avait le. Dans Demon's Souls, il y avait le fait que le boss pouvait utiliser quelqu'un. Il y avait ça dans Dark Souls 2. Bah tiens, dans Dark Souls 2 aussi, il y avait ça. Il y avait le... C'était quoi? Le chevalier miroir ou le chevalier je sais pas quoi, de glace peut-être. Pourquoi je peux pas fouiller? Il invoquait un esprit et là, des fois, ça pouvait être un mec, un joueur. Ah! Ah, les dégâts. Ah, ça fait peur, hein. Ça fait peur la pioche, hein. Oh putain non! Enfoiré. J'ai cru que je l'avais pas eu.
Wow, calme-toi avec tes dégâts de fou. Eh merde. Putain de merde. Chevalier miroir, ouais. Ah, si j'avais eu cette riposte, il serait mort. C'est quoi cet objet? D'accord. Ouais, donc c'est vrai qu'il y avait déjà la mécanique d'invoquer des joueurs en tant que... Enfin, pas en tant que boss, mais dans la zone du boss en tout cas. Donc ils auraient pu rajouter ça dans le 3, ça aurait été bien. Ah. Bon ben. Bonjour, je viens faire chier. Merde, trop tôt. Ah! Le monstre! Bon, le fantôme a bien joué, en tout cas, il a protégé son hôte. Enfin, il l'a protégé de moi en tout cas, pas du monstre, mais de moi. Aussi, niveau gameplay, de faire un pas en arrière, avant ça mettait des images d'invincibilité comme les roulades en fait. Mais apparemment dans le 3 il n'y en a aucune, il n'y en a pas du tout. Donc si on fait... Donc il n'y a personne qui l'utilise au final. Mais c'était très utile dans niveau gameplay avant. On pouvait genre esquiver une attaque et après taper, hop. On se fait toucher à chaque fois. Encore. Bonjour. C'est ou moi ou le monstre, donc tu choisis. Encore une épée. Des ténèbres, c'est classe. Ouais, mais fais pas ça comme une contre une pioche. Putain d'épée de merde. Bon, toi, tu vas te faire parer, fais gaffe. Non, putain, j'ai fait le. Je l'avais à deux mains. Oh putain!
J'ai cru que je l'avais à une seule main, la pioche. J'allais le parer sur le coup, mais au final, j'ai fait le... le truc spécial, là. Waouh. Monte au boss. Non! J'aurais dû rusher pour le mec en fait. Quoique j'étais quand même trop loin. Putain, pourquoi ça fait que échec? La classe comme ça, quand même. Avec notre pioche. Le tueur à la pioche. Waouh. Bien joué ça. Waouh. Super bien joué. Pas mal. C'est juste quand j'envahis en plus. On a trop faire le con, on se brûle. Allez, on y va. Esprit sombre. On a déjà tué un esprit sombre, ça dit rien qu'il vaille. Oh non, le mec il a pas d'animation, c'est la merde.
Trop bien de jouer contre des mecs qui ont pas d'animation. Super, j'adore. Ah, ça y est, enfin. Ouais, ça recommence. Donc je sais pas ce qu'il fait. Ah ça va, on est deux là. T'as pas d'animation et tu te l'es bien prise, ça. Putain, d'où ça me touche? Oh, derrière moi. Bon, ouais, on y va. J'aime bien l'armure qu'il a, le mec. Aou, ça c'est moi, mec. Comment je t'ai pas bloqué, putain? Eh merde. Ah. Ah non. Ah. On va re-essayer encore une fois. Après, qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait tester ça. Je sais pas quoi mettre. Voilà. Ah d'accord. Le monstre a fait le boulot.
J'aime pas trop les mouvements de l'hallebarde. Mais bon. On va voir, on va tester un peu, hein. Mais je suis pas super fan. Oh la vache! Bonjour! Bonjour Tarkus. Ah putain. Merde. Oh la vache. Ça c'est pas bon ça. Casse-toi avec ton épée des ténèbres, tu m'as gavé. Voilà, va te faire foutre. Arrête, c'était lui? Ah bah j'ai eu le... Ah ok, j'ai eu le mec apparemment. Il utilisait l'anneau pour être un spectre. Et après ils avaient un esprit fou qui jouait avec eux par contre.